Casta. La gueule à TV28, elle fait super mal. La Casta, oh, c'est qui, ouais, c'est qui qui kill, c'est qui est mort? T'as un seul stuff, Kev? Yo les amis, c'est Kev, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode numéro 5. Comme d'habitude, dans cet épisode, je vous fais gagner un coffre caché. Voici ce que le coffre va contenir, des nouvelles calumets, du stuff pour aller PVP, pour aller s'amuser, une hache farming. Bref, tout ça, ça se trouve dans le War Store. Les coordonnées sont dans la vidéo, bonne chance à toi. Dans cet épisode, il y aura le défi que nous avons accepté, atteindre le top numéro 3 dans le F-Top classement faction. Tu verras comment on a fait pour valider ton défi. On a également ajouté les 56 spawners dans la farm Iron Golem comme on avait lancé le palier. À chaque like, on ajoutait un spawner. On a également effectué ce défi qu'on vous avait lancé. Donc tu verras également une session minage avec la faction fidèle, également du PVP, le totem. Bref, c'est un épisode qui est parti totalement en couille. Très bonne vidéo. Bienvenue dans l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, on se retrouve toujours comme d'habitude à chaque intro avec Brad Bellic. Salut Brad Bellic. Salut à toi. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez l'habitude, depuis tous les débuts d'épisodes, on fait des openings. Aujourd'hui, j'ai seulement une clé big box. C'est ce que j'ai eu dans le monde minage. J'ai pas eu de beaucoup de clés. J'ai pas eu de chance. Donc bah, on va de mon côté faire une clé big box. Et puis du côté de Brad, ça va être une clé chance. Donc exact, Brad, je t'invite à commencer de ton côté. Vas-y, j'ai peur. J'ai peur. Ça y est, j'ai peur. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu as eu? Rien. T'as rien eu? Un gâteau. T'as eu un gâteau. Et on recommence. Attention, donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux gagner soit 1000 médaillons ou soit un gâteau. D'accord, donc t'as gagné deux gâteaux. Ça fait exactement. Plaisir. Exactement, 1000 médaillons. Attention, moi je vais ouvrir de mon côté la caisse Big Box. Attention, on est parti. Je prédis le 250 millions. On est parti, on est parti, on est parti. Vas-y, dis-moi un chiffre entre 1 et 7. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 100M. 100M. Bon, c'est oh, pas mal, va, c'est pas mal, va, c'est pas va, mal. On va pas se plaindre. Va. Ça aurait pu être pire. J'ai des bons calls, j'ai des bons calls. C'est pas très grave, les amis. Les potos, on se retrouve sur le serveur aujourd'hui avec la fidèle et la fidèle V2. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreux nouveaux dans la fac, les potos. Donc évidemment, ils vont pas parler parce que sinon ça fait un peu le bordel. Mais en tout cas, les amis, c'est pour vous dire que sur Warcraft, on est en train de prendre le contrôle total du serveur, c'est-à-dire la Warzone, le Totem, les KOTH, les Nexus. Plus aucune faction pour le moment arrive à tenir nos petits filous grâce au recrutement de Brad et grâce au recrutement de la fidèle V2 de VH. La fidèle V2 pour info recrute toujours. Donc si t'es intéressé, tu viens sur le Discord. Et ça c'est numéro 1, ça va être numéro 1 les gars. Comment vous voulez qu'on soit numéro 1 avec des gens comme ça, wesh? Bah regarde la bosse qu'on a faite en un jour quoi. Moi j'ai failli canner. Chou chou. J'ai failli canner sans pas me tuer dans la chou. Donc les amis, tant que la faction est en train de faire la chenille, regardez comment voulez-vous qu'on soit numéro 1 avec cette faction. Regardez, on vous montre en exclusivité la mascotte, c'est Killer qui l'a fait avec la faction. Et regardez la taille de notre FOM les amis, il est juste incroyable avec notre petite mascotte Bomb l'éponge. Regardez la taille de notre FOM les amis, c'est notre base claim officiel de la fidèle. On embrasse la Sega qui pensait également qu'ils avaient trouvé notre vrai base claim. Malheureusement pour eux, c'était pas la bonne. Combien de chunks, s'il te plaît, Brad ou VH? Demande à eux plus tard. Chaque côté de la croix ça fait 8 chunks. Et on reclame 2 chunks et l'autre on reclame 6 chunks après. Hein. Donc attends, il y a Killer qui a dit que ça le faisait 180 chunks, c'est ça Killer? 180. Au moins. Putain, mais c'est incroyable, les gars. C'est juste énorme la base de. Donc, c'est une base vraiment, on espère qu'elle va tenir assez longtemps. En tout cas, nous, la fidèle et la fidèle V2, on sera prêt à la défendre, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on est très fiers et je suis très fier de notre équipe qu'ils ont bossé à mort sur le F-Claim parce que c'est juste énorme. Et je vous dis, la faction, elle est juste incroyable. Hein. Jamais j'aurais cru que ça allait prendre autant d'ampleur et que les gens allaient kiffer sa race. En une semaine. Hein. Et en une semaine, regardez, les amis. Slash F, regardez, classement, on est 3ème les copains, on est 3ème, on est vraiment au cul de la X-Zioc. Frérot, on est vraiment au cul de cette faction. Et en parlant de top 3 les amis, il y a quelqu'un dans les commentaires donc qui va s'afficher à l'écran. Le défi était que la faction fidèle passe dans le top 3 du classement. On a
réussi ton défi, voilà, tout simplement. Donc si vous avez des défis à nous donner, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos défis, que ce soit drôle, con, fou, tout ce que vous souhaitez. Dans les commentaires, tu balances ton défi. Et nous, si on y arrive, bah, on va essayer de le réaliser avec la faction au complète. Donc les amis, également pour revenir sur le défi que vous avez enfin pu réaliser avec, avec vous, avec tous ceux qui ont like, évidemment, vous avez demandé dans la vidéo précédente, dans l'épisode numéro 4, à chaque like sur la vidéo, nous allons poser un spawner à Iron Golem. Du coup, nous avons eu 56 likes. Je vais poser donc 56 spawners. Si je me fais pas engueuler par VH et Killer, c'est bien là qu'il faut les poser, hein, les gars. Oui. Ouais, okay. Ouais. Je fais pas de la merde. Ce qu'on vous propose du coup, toute la fac, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, on relance le défi des spawners. C'est-à-dire qu'à chaque like, bon, en tout cas, on n'espère pas avoir non plus 100 likes, on serait un peu dans la merde, je pense. Mais on compte sur vous. À chaque like qu'on va avoir sur la vidéo dans l'épisode numéro 5, nous allons donc poser un spawner à Iron Golem. Ouais. Donc en fait les frérots, pourquoi ça nous ferait chier si on atteint les 100 likes sur la vidéo avec ce palier de spawner? C'est parce qu'en fait on aurait un souci de place. Clairement je pense qu'on aurait un souci de place. Donc bah n'hésitez pas hein, si vous voulez nous faire chier à chaque like qu'on ajoute un spawner. Et frérot, je vous présente également l'AP sud. Nous avons acheté un deuxième AP, c'est du côté sud. Parce que vous savez très bien que dans l'épisode numéro 4 ou 3, je ne sais déjà plus, on vous a présenté notre AP nord. Voici maintenant l'AP sud, nous avons deux AP sur la fidèle et la fidèle V2 a un AP côté AP, côté totem pardon. En fait quand tu sautes, bah voilà, t'as un système de port tranquille. L'objectif c'est qu'on te fait back dans ces petits trous-trous. Et une fois que tu es dans ces trous-trous, hop, montage. Une fois que tu tombes dans le trou-trou, il faut remonter dans un autre trou-trou après. Tu actives ce genre de levier, et une fois que tu actives ce genre de levier, évidemment tu es coincé. Et qu'est-ce qu'on s'amuse à faire? Eh ben on le défonce. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne du stuff sur Warcraft. Donc les frérots, si toi aussi tu veux te faire trap sur la paix sud, on t'invite à venir Warzone avec tes potos. On te bute, tu nous offres ton stuff, et puis nous, on le revend tout simplement. Et là les amis, regardez un peu le bordel que c'est pour le système en redstone. Franchement, frérot, je comprends rien du tout. Ça c'est la faction qui a dû s'occuper de tout ça, je pense, mais... En tout cas, je ne comprends rien du tout à la redstone. Et je remercie juste les gens qui font ça dans la faction, qui s'occupent de la redstone, parce que vraiment, gros, je ne comprends rien. Vraiment, je vous le dis, pour un AP, gros, je comprends rien du tout. Les amis, je vous présente nos mineurs de la faction. Nous avons décidé, du coup, tous ensemble, d'aller miner dans la mine normale. Une petite session minage en faction. C'est parti, mon kiki. Les gars, la T28 t'as fait super mal. Oh, c'est qui qui kill? C'est qui qui kill? C'est qui qui est mort? T'as un stuff, Kev. Bon, les frérots, on a fini la session minage avec la faction et on a eu au total pas mal de clés big box. Donc, dites-moi un petit peu, dans l'ordre, par exemple, tu as eu combien de clés toi, Alex? Ah, ouais, ok, toi t'es pas là. Tilis, t'en as eu combien? Moi, le jeu est raciste avec moi, j'en ai eu 0. D'accord, et toi, Borat, t'en as eu combien? Deux, bien joué, et moi j'en ai eu 0. Mon Spirou, t'en as eu combien? Deux, ok, d'accord. Whiscap, il y en a eu. Whiscam, il y en a eu 5. 5 big box, là, j'ai compris. Okay, allez, go ouvrir vos caisses. Go ouvrir vos caisses, les go spawn. 250 millions, allez hop. Ok, ça prend pour Brad. C'est parti. Qui dit mieux? 250M pour Whiscam également. Attention, qu'est-ce qu'il va dire encore mieux si vous plaît. Protection divine. Une protection divine, c'est nickel. Ton aura magma, oh, c'est nul. 16 gen bucket quoi. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Whiscam qui vient de ravoir 100M, 250M encore. 100M. 512 psy. 512 psy, ok. 100M encore Whiscam qui vient de ravoir. Qui dit mieux, qui dit plus. Il a fini. Whiscam, il a fait ses 5 les big box. Ok, donc lui il a eu que de la thune. On a eu des œufs de protection. 5 stack block. De Emerald, t'as eu? Ouais, bon,
Cameron, bien joué. Oui. Bon bah les frérots, on a fait l'ouverture des big box et des chances. Clairement, ça nous a rentabilisé, mais pas de ouf. Prochaine session minage, on verra ça dans l'épisode numéro 6. Mais en tout cas, cette session de minage, clairement, elle a pué la merde. Voilà, très clairement. Les frérots, on se retrouve dans le FOM. Donc, ils ont terminé de faire nos chambres. Donc maintenant, je suis le fondateur de cette faction. C'est moi qui dois choisir la première chambre. Et je pense que je vais me mettre à côté de ta chambre, Brad. Toi, tu vas te mettre où? Dis-moi où est-ce que tu vas te mettre. Non, je rigole. Je sais pas. Je sais pas où je vais me mettre. Nous, on va tout en haut déjà. Nous, on va tout en haut. Bah ici, au gros, ils ont tout. Oui, non, mais vous, c'est tout en haut. Mais vous, c'est tout en haut, Kevin. Gros, moi, je pensais qu'on pouvait choisir. Nous, on est tout en haut. Moi je vais me mettre ici moi. Non là, là énergique. Ah, excusez-moi, moi je croyais que j'étais dans le grenier frère. Va dans le comble avec les golems père. Attends mais du coup là c'est chez toi ici. Ah c'est là, beau c'est chez toi. Moi, c'est beau. Vas-y, ouais, allez, soit là ou soit là quoi. Je prends ici et puis je fais ça au moins tu vois au cas où si prend une douche. Si prend une douche je peux le voir. Ici, on va mettre je vais mettre des vitres par ici. Par contre tout le monde. Regarde Jake. Brad, ça te dérange si je mets je mets des petites fenêtres pour voir chez toi. Non, vas-y, mais. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. N'oubliez pas, en tout cas, de liker cette vidéo si vous voulez qu'on ajoute un spawner à chaque like. N'oubliez pas de donner des défis en commentaire. Il n'y a pas de problème. Je remercie toute la faction également qui travaille à fond sur la faction tous les jours. Merci en tout cas, Brad. Merci, VH. Merci, Killer. Merci à Monspio, Tis, Wiscam, merci à tout le monde du coup, hein. Désolé si j'en ai oublié, mais merci à toute la faction du coup, la V2 aussi qui est avec nous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être les premiers à voir la vidéo qui sortira. Donc là c'est l'épisode 5, le prochain épisode ça sera le 6, aménagement de nos chambres, je pense que ça va être assez drôle. Très bonne soirée, très bonne journée, bye bye. Mais attends, ça nag, c'est quoi ça nag? Vous êtes déjà là-bas? ST4. Bah oui. ST4. Moi je fais les gars, c'est en 3 minutes. Hein. Ils sont tendus aussi dans ta fac. On est tendus. Les gars, on est vite. On est tendus, Michou. Ah les gars, attendez, vous savez ce que je. Attendez, je vais prendre mon épée divine. Ouf, l'épée divine que je n'ai jamais gagné dans le jeu. La gars, la TV8 a fait super mal. Oh, c'est qui ouais, qui, c'est qui est kill? C'est qui est mort? T'as un seul stuff, Kev? Mais gros, il s'est bien PVP, moi non, je panique! Mais frère! Mais je vais mourir! Faction à l'air général! Ouais, il est dans la vague! Non! Ah, c'est pas les gars, je suis tombé dans son AP! Mais non! Oh non, mais les gars, c'est la pique! C'est quelle AP? C'est tout ça, elle est EZ bug! Non mais s'il vous plaît, Alex, aide-moi. Non, je veux pas mourir, je suis trop jeune, vraiment. Mais c'est bon, il est attends, énergie, Dizzy, si tu me quittes, t'es bug. C'est canapé. Brad, prépare-toi, accepter, dépêche-toi, prépare-toi, accepter, Brad. Putain, les gars, je suis mort. Oh, ma TV8, gros. Faut que tu fasses point sur avec un MC. Je suis pas MC. Avec votre MC, White. Mon Spirou, vous avez dit. Les gars, vous avez intérêt à me protéger, les gars. Je viens avec une. Toi, MC sur moi, ouais. Mon Spirou, MC. Ah, mais je suis avec eux. T'es où? Mais gros, tu m'as TP, préviens-moi, grand. Comment je suis mort? Attends, les gars, TP-vous à Brad. Attends, Brad, t'es dedans, là? Ouais, je suis dedans, TP-vous. Eh les gars, ça. TP-vous, les gars, hein? Non. Vas-y, Brad, tu m'acceptes en premier, s'il te plaît. C'est moi le meilleur ici. On le vit, les gars, en fait, vraiment, il avait juste à TP quelqu'un et on était dedans. Brad, TPS. Mais je peux pas. Attention, parce qu'il peut s'enfermer avec des blocs, les gars, attention. Combat, TP-vous. Oh putain, gros, il y a TP ses potes. Les gars, y'a du people. Hein. Attends, je prends un stuff, j'arrive. Je suis tout seul, les gars, ou quoi? Je rêve. Oui. Mais vous êtes ça, vous êtes deux contre moi là? Ils sont deux contre moi en fait. On arrive, bouge pas. Mais ouais, mais dépêchez-vous, gros. Bah, enfin, j'en mets dans le stuff. T'es où? Là, je suis en mission. Ah ouais, t'es là? GS, énergique. Vas-y, go vous TP, s'il vous plaît. Vas-y, TPS, énergique. Oh oui. Vas-y, ils sont morts. Ok, c'est bon, on peut le farm.
Il y a un gars qui est mort. Ok, on le fait. Fais gaffe, Kev. Recule, il peut te taper sinon. Ah putain, gros, il s'est underpearl, il s'est underpearl, il s'est barré. Ah, c'était ma tête. Faut y a ma tête. Ça veut dire qu'il est de tuer. Il a drop. Allez, vas-y, continue, continue. GG, il est mort. GG. Ah là là, c'est trop facile ce cerf. Pourquoi tu mens? Pas de concu sur ce cerf.